projet s'appelle Rockestra. Le but, c'est d'avoir des musiciens de différentes disciplines. Ce que essayent de refléter les conservatoires aujourd'hui, le jazz, la musique classique, la musique actuelle, musique amplifiée, on appelle ça. Aujourd'hui, il y a à peu près 45 étudiants qui représentaient ces trois styles, on va dire. Il y avait trois chanteuses, deux rappeurs, un groupe composé d'un bassiste, une batterie, un guitariste, deux claviers. Il y avait une section corde d'orchestre symphonique entière, en fait, plus une harmonie, donc des bois et des cuivres, et une section cuivre plutôt type jazz. Et on a joué des morceaux du répertoire rhythm and blues, on va dire. R&B et rap aussi. On a souhaité que les jeunes puissent se rencontrer, enfin que de différents quartiers, puis même de différentes villes, puisque le projet, c'est pas un projet simplement sur la Courneuve, mais c'est aussi sur Bobigny. Donc on a des jeunes de l'espace Guy Moquet, des jeunes du conservatoire à rayonnement régional, et comme partenaire, le canal 93. Et en fait, ils se sont rencontrés, ils ont répété depuis décembre. Donc ça fait plusieurs mois qu'ils répètent très très sérieusement. Et puis ben voilà, les concerts ont duré 3 jours. Aujourd'hui, c'est la fin. Mais ce qu'on a voulu mettre en avant, enfin, c'était la rencontre des styles, la rencontre des musiques, et puis voilà. L'édition Rockestra deuxième saison s'est très bien passée. Dès le premier concert, on a eu de très bons retours du public, très bonne attitude des étudiants sur scène, déjà. Très pro, dans le sens très impliqué. Dans ce projet, en fait, ce qui a été vraiment excitant pédagogiquement, c'était les longues séances de travail qu'on a faites, en fait, qui étaient assez dures, mais tout le monde s'est accroché. Et ça, c'est vraiment stimulant pour moi et stimulant pour tout le monde. Voilà, ils se sont fait fouetter pendant 4 mois pour monter toutes les parties et voilà, pouvoir les exécuter d'une façon enfin, plus que convenable. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a la restitution, ça donne toujours un petit pincement au cœur, c'est trop beau et voilà, c'est l'aboutissement, c'est la fin. Mais bon, la préparation, elle est pas mal aussi. J'espère qu'on remettra ça l'année prochaine. Comme je disais tout à l'heure, en raison d'une coupe de budgétaire de l'État au conservatoire, il est très possible que ça ne puisse pas se refaire. Mais on fait tout pour que ça puisse. Et si on a le budget, on recommencera, oui. Parce qu'on pense que ce genre de projet est bénéfique, on va dire, pour le tissu social. La culture à La Courneuve, c'est justement aller vers les publics qui malheureusement en sont très très éloignés. Et c'est par ce type de projet qu'on arrive à rassembler tout le monde. Et donc l'État doit s'engager. Je trouve ça très grave, moi, de toucher à l'éducation, hein, parce que l'éducation artistique participe à l'enseignement général. Pour nous, en tout cas, c'est ce qu'on défend. Et je trouve ça très dangereux, là, d'aller dans ce sens-là. Donc il faut absolument que l'État révise sa copie. Nous avons été rue de Valois avec les deux maires, le maire de La Courneuve, le maire d'Aubervilliers. Nous avons défendu notre cause, on attend le résultat. Il y a eu un article dans Le Monde, là, il y a quelques jours. On fait tout ce qu'il faut pour qu'on nous entende, parce que la cause est juste.